Coucou, Emma, Mounette, et on n'est que toutes les deux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ma petite puce? On va décorer des œufs. Et oui, c'est bientôt Pâques, les petits copains, les petites copines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un 200 € challenge, Ellie avait choisi des petits œufs chez Jiffy. Donc, ce sont des petits œufs tout blancs. Et alors, aujourd'hui, on va tenter de les décorer. Ça te dit? Tu me lances le générique? Générique! Alors, on a les œufs de chez Jiffy, ça coûtait pas grand chose, ils sont tout blancs. Alors, je vais les ouvrir. C'est trop rigolo parce qu'ils se trouvaient dans une petite boîte d'œufs. Il faut les peindre avec un petit pinceau. Un petit pinceau, mais pas que. Qu'est-ce qu'on met sur le pinceau? On met de la colle, des pots de peinture et aussi des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Donc vous voyez, ce sont des petits œufs. Alors, ils sont en papier. Regardez, c'est tout blanc, c'est rigolo. Il y a même le petit trou en haut. Donc, ils sont dans la petite boîte d'œufs. Regardez, je les remets et il les enlève. Alors, on n'a pas que ça du coup. On a plein de choses. Maman a préparé plein de choses. Oh, c'est un énorme plateau. On peut mettre des paillettes. Alors, on a des petites fioles à paillettes. Regardez, il y a plein de paillettes avec plein de couleurs différentes. On a plein de pinceaux. Plein de pinceaux de tailles différentes, des gros, des petits, pour faire des petits détails. On a des petits comme ça. Regardez les petits pinceaux. Voilà, on va tenter. On a des crayons. On a des crayons si on veut pouvoir écrire sur les petits œufs, faire des petits modèles avant de peindre, voilà. Après, on a des plateaux comme ça. Ensuite, on a des petits plateaux pour poser la peinture. Alors, on en a plein des différents. Celui-ci, il n'a aucun trou. Celui-ci, il en a pour pouvoir mettre les différentes couleurs. Et on en a même un énorme, voilà, pour mettre beaucoup de peinture. Ça, c'est le préféré d'Elie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la colle. On a plein de peintures Cléopâtre. Alors regardez. Oui, on a aussi la colle Cléopâtre. On a du bleu pailleté, elle est magnifique celle-ci. Du vert, du blanc, du violet. Elle était déjà pas ouverte. Oh, du jaune, du doré, encore du vert et du rouge. On a fait une petite sélection de couleurs pack. Et on a même de l'argenté tout pailleté, regardez. Trop beau. On a aussi des petits crayons à paillettes, on verra si on s'en sert. Et on a de la colle pour pouvoir faire tenir les paillettes, parce que celles-ci, ce sont des paillettes libres. Donc, il leur faut un support pour s'accrocher. Bon, et ben, on va libérer tout ça, regardez. Mamounette va mettre toutes les petites peintures dans les petits compartiments. Et comme ça, on va pouvoir attaquer. Allez, on se prépare à tout de suite. Nous revoici. Et nous revoici. Alors, on a préparé les petites peintures. Regardez ça, comme c'est beau. Ellie, elle en a plein à l'intérieur de ses petits pots. On a pris nos petits œufs. On n'a pas de coquetier à la maison. Voilà, hein, parce qu'on ne mange pas d'œufs à la coque. En fait, on ne mange pas trop d'œufs, en règle générale. Donc du coup, ben, on a pris des petits verres à verrine. Et tout ça, c'est pour nous deux. Et voilà. Donc, on a ça. Ensuite, on a des petits crayons. Maman, elle va tenter de faire des petits motifs. Mais on va pas se prendre la tête, hein. Moi, hein? Je vais pas prendre ça et pas ça parce qu'en fait, je vais peindre. Oui, t'as raison. Tu fais comme tu veux, mon petit chaton. Et je veux ça. Et on a les petits pinceaux. Bon, alors, ma doudou. On commence? On a remonté les manches. Est-ce qu'on est prête? Oui. C'est parti! Voilà à quoi ressemble mon œuf pour le moment. Donc j'ai pris mon petit crayon à papier et j'ai tracé une esquisse, une ébauche de dessin de motif.
Bon bah maintenant il reste plus qu'à prendre la peinture et on va essayer de faire quelque chose de sympa avec tout ça. C'est parti, je me munis d'un gros pinceau et je vais essayer de tracer mes premiers petits motifs. Regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment trop joli. Voilà. Alors, on va faire le haut en vert. Moi, je vais faire en blanc. Alors déjà, la peinture accroche super bien. On va essayer de pas trop dépasser du motif que je m'étais fixé. J'ai fini. Déjà fini? T'as fini ton premier œuf? Oui. Alors regardez le premier œuf d'Eli. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Oui, il est magnifique. Bon, il y a du volume, hein. Il y a du volume, il y a de la terre. Bon, alors attends, je suppose que t'en veux un second. Oui. Oui, je vais t'en donner un autre, mon amour. Alors, hop, on reprend un autre petit support, un autre petit œuf vierge et c'est reparti, ma doudou. Oui. Voilà ce que ça donne pour la première étape. Rien d'exceptionnel. Lionel. On va voir sur l'autre. Je me suis coloré le t-shirt. Je suis vraiment contente. Ouais, ça c'est cadeau. C'est dangereux les autres pas. Ça va, je me suis juste mis de la peinture sur le corps, c'est pas grave, ça part à l'eau. Pas peur. Même pas peur. Même pas peur, comme dirait l'autre. Bon, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Alors ensuite, on va faire la bande. Je vais prendre le même pinceau parce que la bande, je vais la faire d'une couleur plus foncée. Oui. Je vais la faire en violet. Oui. Est-ce que je vais réussir à être assez précise? Bah moi aussi, je suis précise. Tada! Ok. Regardez ce que j'ai réalisé pour le moment. Regarde maman, j'ai fait des petits cœurs. Waouh, elle a fait des cœurs sur son œuf. Bon alors le tout maintenant c'est de bien les peindre. Épeindre. Bah oui, les peindre. Épeindre t'as dit. Ah, épeindre. T'as dit ça. D'accord. Bon alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais essayer de prendre un petit pinceau assez précis. Et bah moi aussi je vais changer. Je vais tenter de faire les ronds. Voilà où on en est rendu. Bon, je suis meilleure pour manger le chocolat que pour décorer les œufs de Pâques. Oui, j'en suis consciente. Alors ensuite, on va essuyer. Hop, on va essuyer le pinceau. Comme ceci, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Et on va tenter de se faire le fond en jaunasse. C'est la caca, c'est la cata. On est très mal, on est mal, on est très mal, les petits copains, les petites copines. Hein. Oui, on ne sait même pas quoi prendre. Je me suis lancée dans un truc. Pourquoi j'ai pas fait le fond avant de faire le décor? Non mais... What? Sérieusement? What? Je prends mon troisième œuf et je vais le colorer. Oh my god! Ah.
peint tout le jaune. Ouais, c'est pas top, hein. Ouais, c'est pas vraiment très très top de jouer à ce genre de choses. Oh là là, je suis pas emballée. Alors ensuite, moi j'aimerais bien mettre de la paillettasse. Bon, j'ai fini mon premier œuf, c'est pas une réussite, hein. Je suis vraiment pas douée. Je vais essayer d'en faire un simplissime. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'œuf, on va prendre de la colle. La colle que Ellie m'a subtilisée, bien sûr. C'est de la colle Cléopâtre, colle forte, donc il faut faire très attention. Il me semble qu'elle est dotée, voilà. Vous avez un petit pinceau, tout petit pinceau net. Et du coup, je vais essayer d'en mettre déjà sur une première face. Une petite fiole avec des paillettes. Je vais prendre ces roses là. Hop. Regardez. Celle-ci, c'est trop mignon ces petites fioles. Regardez comme elles sont chouettes. Voilà, et je vais essayer de venir les saupoudrer par-dessus mon œuf. J'enlève le petit bouchon. Je vais me mettre au-dessus d'un sopalin. Ça, c'est une bonne idée. Le sopalin, c'est mon meilleur ami. C'est vrai, hein? Qu'est-ce qui fait fesse? Alors, en fait, je sais pas pourquoi je t'ai mis de la peinture vers toi vu que tu me piques toute la mienne. Je prends ma fiole de paillettes et je saupoudre. Je saupoudre. Encore. Il faut en mettre beaucoup, tant pis, il y a de la perte, il y a de la chute. On a fait une face toute pailletée, regardez. Bon, ça y est. On va considérer que la première face est sèche. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peindre la seconde. Et on va essayer de la peindre avec le bleu pailleté. Ça pourrait être pas sympa. Et là, tu vas prendre le bleu pailleté. Ouais. Alors, est-ce que ça va bien fonctionner? À mon avis, il faut une base colorée, on voit pas assez. Je vais prendre le violet. Et je vais venir peindre la seconde face. Oh, on est pas mal là. Regarde mon amour. Regardez, c'est trop beau, mais alors quand ce sera sec, ce sera encore plus beau, je pense. Alors le plus compliqué quand on fait des œufs de Pâques, quand on les décore, c'est de pouvoir faire sécher son œuf correctement sans qu'il bouge avec surtout doudou. Moi. Est-ce que je vais le tenter? Est-ce que je le tenterai pas? J'en tente un autre. Allez, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau. J'ai envie de me le faire tout en doré. Allez, c'est parti. Et voilà les petits copains, les petites copines, ça y est, on arrive à la fin de cette activité manuelle. Alors, verdict Ellie, est-ce que maman elle est douée ou pas? Non. Non. ça vient du cœur, je suis bien d'accord avec elle. Alors regardez mon troisième œuf. Regardez mon cinquième œuf. Alors celui-ci, il a des petites paillettes bleues en bas, une petite bande de petits points bleus et des paillettes bleues encore plus claires au fond. Et ben moi j'ai fait un œuf espagnol. Alors Ellie, elle a fait un œuf qui va jamais sécher parce qu'elle a mis ça de peinture. C'est pas grave, il va être très bon. On va essayer de le mettre de côté. Voilà. Regardez. Et elle va se laver les mings. Voilà, voilà. De toute façon, je vais tous vous les aligner. Et comme ça, vous pourrez admirer nos chefs-d'œuvre. Regardez celui-ci, c'est mon deuxième. Pailleté d'un côté,
et bleu avec des petits points blancs de l'autre. Alors par contre, c'est hyper rigolo, mais il faut juste être patient et attendre que ça sèche entre les couches. Ellie est partie se laver les mains, regardez mes mains. Bon, en tout cas, les petits copains, les petites copines, si vous réalisez des décorations d'œufs de Pâques à la maison, envoyez-nous-le par mail, tout à fait. Et comme ça, on sera ravis de voir vos réalisations. C'est pas sec dedans ? Conclusion, nous, on n'est vraiment pas doués, mais bon, c'est quand même rigolo à faire, regardez. Donc, écoutez, les petits copains, les petites copines, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous laisser des gros pouces bleus, et puis passez des bonnes fêtes de Pâques, et on vous fait des gros bisous. Oh, l'œuf de Pâques, l'œuf de Pâques, l'œuf de Pâques. Maman, c'est la meilleure des mères.